À l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Faustin Boukoubi, a présidé la réunion du bureau en ligne de mire de cette rencontre, la situation des textes législatifs. On fait le point avec Judas Fleur Ondembe et Tim Boulengue. Par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, la réunion du bureau instance décisionnelle de l'institution dont il a la charge a axé ses travaux sur 4 points. Essentiellement les travaux législatifs et perspectives, la présentation du rapport de la commission d'enquête parlementaire de la gestion de la COVID-19 par le gouvernement et la situation du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Franceville. Revenant sur les travaux législatifs et perspectives, l'Assemblée nationale compte à ce jour 26 textes, à savoir 5 en attente d'examen, 8 attendu, 9 sont en commission générale, 1 retourné au gouvernement et 3 sont en attente d'adoption. Il s'agit de la proposition de loi portant réglementation de la filière des agrocarburants en République gabonaise, le projet de loi déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'exercice 2021 et enfin le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 000013/PR/2020 du 14 août 2020 autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 100 500 000 euros, équivalent à 65 923 678 500 francs auprès de la Banque africaine de développement. Rappelons qu'une réunion de la conférence des présidents aura lieu demain à 11h, juste avant la séance plénière qui devra statuer sur l'adoption des textes examinés précédemment en commission générale.